Tout le monde debout, tout le monde en place, en route pour King of Kings. Tu y vas. Les chaussures, faut enlever les chaussures. Chichip quoi? Enlève les chaussures, en fait. Je viens même vous voir pour vous expliquer les problèmes. Les esprits, faut pas déranger les esprits, petit frère. Oui. Ça va? Ça ne va pas. Je cherche à multiplier les CV, je n'arrive pas à trouver le travail ici là. Là, je suis venu te voir pour un problème parce que j'ai un projet que j'ai envie de mettre sur pied. J'ai besoin que tu m'aides. Tu veux quoi? L'argent, les femmes, le terrain? Tu veux quoi? Dis-moi. J'ai pour projet d'ouvrir une église. Pour avoir l'argent. Je veux être pasteur. Et j'ai besoin que ça marche, j'ai besoin d'avoir les fidèles pour que la quête puisse me donner beaucoup d'argent. D'accord. Je vais consulter les esprits. Oui, c'est possible. Mais vous faites les sacrifices. Tu as quoi faire comme sacrifice? L'argent, le terrain, la femme, ta mère. Comment tu peux me demander mon âme, ma mère? Je suis venu pour le problème d'argent. Si tu me demandes encore l'argent, je vais prendre de vous, pasteur. Bon, je vais te donner le pouvoir de délivrer. Mais ce pouvoir est tellement petit que si ça se passe mal, il peut y avoir des accidents. Je prends, même si c'est comment, ça va être en fait dans les accidents. Et ça va te donner beaucoup d'argent. C'est ce que je veux, c'est ce que sois reconnaissant. C'est ce que je veux, c'est dès que tu as l'argent, tu viens me voir. On va partager ensemble, si ça donne, on va partager. Ok. Ça va nous donner les millions. Lucifer, écoute-nous. Mais comment Lucifer est un grand malin? Tu veux l'histoire de Dieu, tu viens voir un malin. Hein? Peut-être que Dieu donne encore l'argent. Devant eux, tu parles de Jésus. Tu suis non, tu dois parler de Jésus. Mais tu sais que c'est Lucifer derrière, c'est lui le patron. C'est lui qui nous a donné l'argent. Voilà. Vive Lucifer. Lucifer est attaqué. Vive Lucifer, madame. Vas-y. Vive, madame. Garde-le avec toi, ne le paie jamais. Dès qu'il y a l'argent, viens me voir. J'ai compris. Gang, madame. Si j'ai belle mémoire, madame, je dois toujours avoir ce collier dans toujours, ma poche. Toujours. Et si je n'ai pas ce collier, qu'est-ce qui va se passer, madame? Il va se passer soit une mort, soit un mauvais esprit va venir sur tout le monde. Et ça sera vraiment très grave pour tout le monde. Mais... En tout cas, fais-y attention parce que tu peux y perdre ta famille. Hé, hey, madame, ne dis pas ça. Tu peux y perdre ta famille. Madame. Donc fais-y attention. J'ai compris, madame. Va. Que Lucifer soit avec toi. Vive Lucifer, madame. Vive Lucifer. Vive Lucifer. Vive Lucifer. Vive Lucifer et vive madame. Oui. Merci, madame. Au revoir. Au revoir, mon petit. Okay.
le topo c'est quoi? Une loi. Tu vas utiliser de ton charme, de ta diversité, pour me ramener au minimum 10 filles. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu m'as compris? Non, il t'entends. Je sais que les filles, c'est toujours un capital important. Oui. Parce que ça attire beaucoup d'autres. Oui. Même si je ne sais pas à l'église, pour regarder les filles, c'est important. Mais quand il y a la quête, qui met l'argent? Oui, pasteur. Ça, c'est ton topo. Ok, pasteur. Toi, bébé. Tout à l'heure, quand on va marcher, je serai en train de prêcher. Je vais venir te taper à la tête en disant que j'ai senti des mauvais esprits en toi. Tu es possédé et tu dois être délivré. Tu me fais un petit simagri, tu me fais tout ce que tu peux faire pour mettre la sauce sur ta carte. Et toi, Lélu, mignon garçon que tu es, tu vas m'utiliser ça dans le magasin. Écoute-moi très bien. Tu es un monsieur important dans la vie. Oui. Okay. Normalement. Tu es important dans la vie. Tu vas m'accoster quand je serai en train de prêcher, quand je vais entrer dans le magasin pour parler. Oui. Tu vas m'accoster pour me demander où mon église est située. Et je compte aussi sur toi pour utiliser ce charme-là pour me ramener les filles. Oh, il faut compter sur moi. Ok. Bon, tu comptes sur moi, il n'y a pas de problème. Ok, pasteur. Ok, pasteur, on fait comme on a dit là, non? Un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais. Mon Rédempteur est vivant. Un jour je sais qu'il se lèvera. Mes chers frères, la fin approche. Le dernier jour est proche. Repentez-vous. Donnez votre esprit au Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour où l'enfant du Christ, Alexandre Lonouchi, grand pasteur, est venu pour vous apporter le salut du Seigneur Jésus-Christ. Tous vos problèmes, malheur les femmes qui n'accouchent point, celles qui cherchent des grossesses, celles qui couchent dans la nuit avec des serpents, avec des esprits magnifiques, je délivre. Je vous enlève tout ça par la Sainte Bible du Seigneur Jésus-Christ. Mes chers frères, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'envoie. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a appelé. Mon frère, tu as beaucoup de problèmes dans ta vie. Viens à l'église du Seigneur. Il va te guérir, il va te guérir. Il n'y a aucun obstacle que le Seigneur Jésus-Christ ne peut ne pas surmonter. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donne ta vie au Seigneur. Dieu soit loué. Oui, pasteur. Ok. Tu t'attends dimanche au culte. Ok. D'accord. L'église, c'est où, pasteur? C'est quelque part. C'est le Seigneur qui va te guider. Tu le découvriras tout seul. D'accord. Ok, pasteur. Oh. Gloire à Dieu. Ta vie va changer, mon frère. Merci, pasteur, merci. Ta vie va changer, mon frère. Merci, pasteur. Les femmes, l'argent. Amen. Tu auras.
Ok? Oui, pasteur. Oui, mon Dieu. Tu peux t'en aller. Merci, pasteur. Christ, c'est lui le seul qui peut vous sauver. C'est lui le seul. Tu vas vendre tout ça, tu vas vendre. Si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, et le paradis t'accueillera. Donnez vos argent, venez donner au pasteur Luchi, à mon église, venez le donner. Car l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça fait le bonheur du pasteur Nouchi. Ma copine, il y a un show samedi là. Je compte sur toi. Pourquoi je veux pas faire ça? J'ai mes enfants. C'est quels bons enfants? Mes enfants? Deux choses qui braillent là. Moi j'ai mes enfants, c'est fini. J'ai mes enfants. Tu parlais pas de mes enfants, toi? Oh, laisse. Voilà. Ça, c'est bon. Qui m'appelle là? Oh, la chance. Les enfants, là. Quels beaux enfants? Comment? Ah, maman, fais chier, Rose. Ouais, c'est toi, tu fais chier. Viens, fais chier. Après, on peut parler, toi aussi. Ouais. Toi, non, je viens pas. Non, tu viens pas. Je viens pas. T'es sûr que tu viens pas? Je viens pas. Là, chez toi, femme au foyer. Oui, femme au foyer. Mais toi, là, tu chies tes enfants. Moi, je chie mes enfants. Attends, je chie mes enfants. Non, parce que là, je commence à m'énerver. Je commence à m'énerver. Moi, je prends mes enfants. On t'a dit que moi, je suis cool. Tu chies tes enfants. On peut plus respecter les paris. Parce que toi, tu sais, tu chies pas d'enfants là, c'est pour ça qu'on peut plus respecter. Oui, écoute, mon corps de rêve, je regarde. Mais tu chies. Mais tu peux pas chier, c'est non, je peux. Mais c'est pas envie. Tu es terrible. T'es terrible. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Car c'est le seul qui peut vous sauver. Esprit du diable, esprit satanique, sors de ce corps. Sors de ce corps, esprit satanique. Sors de ce corps. Esprit satanique, sors de ce corps. Calme-toi. Ton âme est sauvée. Il est sorti. C'est moi, il est parti. Ton âme est sauvée, ma fille. Merci. Je dis pas d'abord merci au pasteur Nouchi. Merci. Je t'attends dimanche au culte. Je vais venir. C'est le Seigneur qui va te guider. Je vais venir. J'ai pas besoin de te donner l'adresse. Je vous connais. Merci. Oh Lilia, vous faites quoi là? Moi je t'appelle toi. Ouf, à la base.
Ça va les enfants? Pourquoi vous êtes sans comme ça? Mon frère, ça va pas. Hein? Notre fille. Mais Dieu, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Vous avez abandonné. Ah, et puis vous avez abandonné. Vous n'avez pas l'argent. Toi, tu as aimé ma langue. Et tu peux. Tu veux l'argent? Je veux l'argent, oui. Chut, doucement, il y a des gens qui parlent. Ouais, dis-moi. Je peux te donner l'argent, petit. Clair, clair. Oui. La femme est déjà bien. Il a dit quoi? Non. Maman est bien comment? Il a dit quoi? Non, doucement. Ma femme est bien comment? Je veux l'argent, ma femme est bien comment? Dis, je veux l'argent. Je veux l'argent. Tu veux l'argent? Je veux l'argent. Venez me voir après. Où ça? Dans mon cabinet. C'est où? Va ça. Tu donnes un peu pour moi. Hé! Laisse-moi vite! Quoi? Tu veux la machin sur toi? Il ne sait pas lire, c'est quel nom? Pardon? C'est quel nom? Il ne sait pas lire. Lise ce qui est écrit. Va demander à ceux qui savent lire. Un père, un père. Arrête, tu veux! Tu vas avoir l'argent. Y a quoi? Écoute, c'est pas le moment là, c'est bon. Je suis fatiguée. Et donc t'as faim? Attends. Donc c'est moi qui vais quitter les magasins, courses. Je viens à la maison, tu manges. Putain, tu es malade ou quoi? On est au village ici. On est au village ici là. Tu es malade. Donc c'est moi ta femme de ménage, ta bonne. Mais t'es, on a chien dans ton cerveau, toi. Ça va pas chez toi. Mais attends. Donc tu penses que être une femme, c'est seulement être à la maison, puis tu mousses, puis tu manges. Écoute, je veux un gosse. Au bout de 3 ans, j'ai pas de gosse. Tu me fais chier pourquoi? Tu me puisses pourquoi? Fais-moi un enfant ou barre-toi. Oh, c'est pas compliqué. Je pousse seulement, c'est tout. Tu poses juste la graine, c'est tout ce que je te demande. Bon, tant pis, je m'en fous, c'est pas grave. Tant pis, je m'en vais. Je vais adopter mon enfant, que tu veuilles pas. Dégage, c'est bon, j'en ai marre. Hé, hey, là, je rentre. Hein. Fais tes bagages et puis que tu t'en vas. Quitte ma maison. Au revoir, salaud. Madame, n'aime pas quand tu as les trucs comme ça, on va voir comment tu es épanoui. Épanoui, c'est oui, ça. La charpe là doit sauter, vite. Tu dois sauter, tu n'as qu'à sauter. Voilà. Assieds-toi. Ça fait des années que je cherche à avoir des enfants, et puis bon, je n'arrive pas. Vous vous approchez, ne vous entend pas bien. Moi, de départ. Non, vous n'entendez pas bien. Oui, je vous écoute. Je suis stérile, vous des enfants. Non, j'ai besoin que vous m'aidiez, quoi. Tu peux, mais tu peux pas. Ah, oui, je peux t'aider. Tu veux les enfants? Oui. Oui. Et tu veux que te fasse des enfants? Hey, tu regardes quoi là-bas? Tu veux que te fasse des enfants? Non, pas toi. Hein? Tu veux des enfants? Oui. Oui, des enfants. Quel genre bizarre ça. Voilà, tu veux des enfants? C'est quelle affaire ça encore? Tu as quoi comme sacrifice à faire? Sacrifier quoi? Il faut sacrifier. Toi-même. Sacrifier. Quel sacrifice? Non, je peux pas. Si tu n'as rien, c'est pas possible. Oh, je suis là. Oui. Oh, je veux te donner beaucoup d'enfants. Je veux te faire avoir beaucoup d'enfants. Oui, tu auras beaucoup d'enfants. Donner, avoir, c'est quoi? Non, tu auras des enfants. Tu auras des enfants. Tu pourras faire des enfants. Juste pour cela, je veux te dire de faire une chose. Comme quoi? Tu prends ça. Là, c'est quoi ça? C'est... Tu vas mélanger dans ta soupe et tu bois.
Si les enfants ne sont pas venus, c'est que Lucifer ne veut pas te donner les enfants. Je suis désolé. C'est quoi, c'est qui ça? C'est le patron vénéré. On l'appelle Lucifer. Mais je pense à quel moment, à quelle heure? Tu mets dans l'eau au repas avant de manger. Là, si tu mets après le manger, tu vas vomir tout ce qu'il y a dans ton ventre. D'accord. Ok. Mm-hmm. Et ça, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Voilà. Je te lève et tu dis bravo, Lucifer. Bravo, Lucifer. Oui, dis encore bravo, Lucifer. Bravo, Lucifer. Mm-hmm. Eh, mm-hmm. Maman. Mm-hmm. C'est parti. Mm-hmm. Tu connais, il y a la goutte derrière, tu poses seulement ta recette. Quelle goutte ça? Non, tu poses l'argent de la consultation. Voilà, c'est dehors. Au revoir, ma fille. Merci. Mm-hmm. Si les enfants ne sont pas venus, c'est que Lucifer ne veut pas te donner les enfants. Tu bois. Si les enfants ne sont pas venus, c'est que Lucifer ne veut pas te donner les enfants. Tu es gabonaise? Non, moi, on m'appelle La Merveille. La Merveille. Je capte La Merveille. Hey. Ouais, tu vois. Ça se voit même. Tu vois un peu, non? Tout le temps, là-bas. Maman, ma chérie, comment tu vois? Tu me fais même, j'attrape le palier même tout de suite. C'est juste un bout de tissu que j'aime. Je peux toucher un peu seulement pour. Regarde, un tout petit peu. Hein. Ouais. Tu donnes, hein? Tu es déjà mal. Est-ce que tu as vu les bagues sur mais toi? Mais je peux vous mettre à la maison. Tu es ma première femme, tu es ma deuxième femme. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est pas un. Mais attends, tu habites j'habite à côté, je ne sais pas, une église ça s'appelle la Caravelle. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'église là. J'ai entendu parler ça, ma copine. Ah bon? C'est vrai? Oui, il n'y a pas longtemps de cela. Mais c'est mon oncle qui a l'église là. C'est ton oncle. Mais les filles, je vous dis, comment ma vie a changé à cause de l'église. Je te dis que je jure ma mère qui dort. Ma vie a changé à cause de l'église là. Attends, ah bon? Quand je voulais commencer, c'est Dieu là, c'est le pasteur là qui m'a envoyé que. Ah bon? Oui. Que je dois seulement venir vous revoir. Parce que non, si vous avez les problèmes, vous avez les soucis, si vous voulez l'argent, vous voulez faire tout. J'ai beaucoup de problèmes. On a tellement de problèmes. Les problèmes d'argent. Mais on a beaucoup de problèmes d'argent. Donc je suis bien arrivé. Je suis tombé. Mais tombé pile pour avec un job. Oui. Est-ce qu'il y a l'argent là-bas? Je dis que peu importe ce que tu as comme problème. Si tu veux l'enfant, si tu veux l'argent, si tu veux que le moyen, si tu veux. L'argent. Si tu veux l'argent. Oui. Tu veux combien? Est-ce qu'on compte? Si l'argent tombe seulement, on prend. Tu es sûr? Okay. Tu sais pas comment faire, on arrive là-bas devant, tu commences à faire les roulettes. Non, tu veux l'argent. Attends-moi ici. Oh. Toi aussi, tu veux l'argent. Tu veux l'argent? Attends-moi ici, je vous amène. Allons, non, attends. Est-ce qu'il y a des beaux gosses là-bas? Moi, je veux pas mettre les pieds là-bas comme ça. Attends un peu. Moi, je veux pas ça. Ok, l'argent, mais est-ce qu'il y a des beaux gosses là-bas? Attends, tu veux que j'aille un peu me. Oh, s'il te plaît, je n'aime pas le truc. Je suis. Tu ne vois pas le garçon que je suis. On y va, mon frère. On y va. La masse des lunettes, on y va. Ouais. Attends. Ça doit coûter cher tout ça. Oui, voilà 800. Ça coûte cher. Voilà 800 000. C'est grâce à l'église. C'est l'église qui m'a donné ça. Merde, ma copine. Tout ce que tu vois sur moi là, c'est l'église. La galère est finie, la galère. Ok. Il t'est pas là où est-ce que c'est que j'ai parlé. La mère, on part. On y va. Moi, si tu sais que tu es. Tu es sûr. Porte un peu. Surtout, c'est mal. S'il te plaît, ça va tomber. Non, attends, tu seras occupé de ta lunette. Ça, c'est un avion. Ça va être un avion, s'il te plaît. Je veux pas. On y va. On est tombé. Oh, ouais. Mais puis, arrêtez-moi. On court. On a. On va louer l'église. Oh, à nous la richesse. À nous la richesse. Oh, Jésus. On va louer. On va louer le Seigneur ensemble. On va les louer. Tu y vas. Le marabout. Je vous ai vu Bakary la dernière fois, ça m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu du tout. Vous savez déjà que vous n'avez rien. Moi, je veux que ça ne me plaît pas de vous voir comme ça, alors qu'il y a l'argent qui peut tomber sur vous. Hein? Ah bon? Clair. Des millions. Hein?
Pas des milliards. Des millions. Il veut ça. Prenez une partie. Prends ta main. Tu prends une partie. Tu prends une partie. Tu dis tout ce que tu veux. Tu dis tout ce que tu veux. Et puis vous me redonnez. Beaucoup d'argent. Oui, oui, oui. Vous voulez de l'argent? Oui, oui. Vous voulez les grosses voitures? Oh, c'est ça que j'attends. Tu veux les femmes? On veut la belle vie. Hein? Marabou, il faut faire quelque chose pour nous. Yves, tu veux les femmes? J'ai dit la belle vie, tu dis quoi? Ah. Oh, sois pas distraite là. Tu veux les hommes, les beaux hommes? Beaucoup d'argent. Ok. Première des choses. Que tu me donnes ta femme. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a dit quoi? Ah, reste tranquille. Voilà. Bon, vous avez, je veux que vous fassiez un sacrifice. Mmh. Un sacrifice. Et comme vous, vous n'avez rien, et je vais vous demander si vous avez de la famille. Avez-vous de la famille? Ah, nous, la seule famille qui nous reste. Depuis... C'est notre fille, mais elle nous a abandonnés. Oh non. Elle est où? Nous a... Ah, oui. Elle a l'argent? Elle nous a vus dans la rue, elle nous a laissés. Elle nous a laissés. Je peux pas te dire. Elle nous a abandonnés. C'est-à-dire qu'on l'a vue, c'est comme si même elle ne nous connaît pas. Voilà. Que Lucifer vous écoute. Elle voit ses parents, sinon on l'a mis au monde. Et puis. Elle nous... sa mère qui lui a porté 9 elle mois. Elle nous a insultés devant les gens. Elle nous a honnis. Ah! C'est pas possible. Je revois la scène dans mes colis. Hein? C'est quelle scène? Une scène avec votre fille et ça ne se passe pas tellement bien. Non, ça va même pas même. Eh, Marabout. Et je vois qu'elle elle a une vie plus épanouie. Non. Je vais vous demander, pourriez-vous me donner votre fille? Chers frères et sœurs dans la joie du Christ, bonjour. Bonjour. Sous une pluie d'ovations, veuillez accueillir sur vous en vous levant évidemment notre pasteur Alexandre Mouchi. Alléluia! Mes chers frères et sœurs, dans la sagesse du Christ, bonjour! Bonjour! Je suis très heureux de vous voir. Quand je vous vois en ce jour, mon cœur sourit. Mon très cher frère Lolu, tu vas venir nous lire juste un tout petit verset. Veuillez acclamer mon très cher frère Lolu. Sœur en Christ. Bonjour. D'accord, je vais lire le passage 25. Anastasia devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi son père, mais il ne fit pas mourir leur fils, car il agit selon ce qu'il est écrit dans la loi. Amen. Alléluia! 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 Esprit du salut! Esprit du Saint-Esprit! Esprit de la sagesse! Esprit de la stérilité! Amen! Je m'étouffe. Le Saint-Esprit vient à moi. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes très chers frères. Merci. 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 Et sœur, bien sûr. Merci. Matthieu 7:7. Demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira.
Cherchez et vous trouverez. Amen. Amen. Alléluia. 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 Nous allons tout de suite passer à la quête. Chacun va donner ce qu'il a. Vous pouvez donner même tout ce que vous avez. C'est au Seigneur, car il vous rendra le multiple. Amen. 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 Venez, mes acolytes. Mes chers frères, voici le moment que j'attendais depuis. Ceux qui ont les billets de 5 euros, 10 euros, 20 euros vont se mettre à ma gauche. Et ceux qui ont les billets à partir de 50 euros ou les cartes bleues se mettent à ma droite. Prenez place. Merci. Tu te balades comme ça, tu as l'argent. Et on a les cheveux comme ça. Laisse-moi. Mais pourquoi il y a autant de monde où il y a les petits biais et où il y a les gros biais, il y a peu de monde. Je vous rappelle, je vais prier selon le montant et je ne m'amuse pas. Est-ce que c'est compris? Oui, mon frère. Est-ce que c'est compris? Oui, pasteur. Pasteur, même les bijoux en or là, c'est intéressant. On donne, les cartes bleues. Vous donnez tout. Ah, tu as raison. Même le diamant que tu as pour là, ça peut faire quelque chose. Ah, donc on va donner. Mais passe Navigo, je prends. Oui, ça c'est l'argent. Voilà. Ça permet de faire le terrain au pays là-bas. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Ah, Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Ah, Yahweh m'a libéré. Ah, Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus. Passer aux grosses sommes et aux cartes bleues et aux bijoux. Amen. Mes choristes, mettez le feu. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie. Merci. Amen. Amen. Merci. Merci. Amen. Je joue mon âme, quoi. Vas-y. J'ai déjà 3 cartes bleues, je commence à faire. Je me dis, je me mets pas là dans ta poche. J'ai 3 cartes bleues, je commence à faire. Vas-y. Mes chers frères, regagnez vos sièges. Merci beaucoup. Vous avez été généreux. C'est le Seigneur qui va vous récompenser. Bon. Malgré ma fatigue, je vais passer maintenant au combat avec le diable. Amen. Je dis avec le diable. Amen. Avec le diable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de
prends cet enfant possédé, s'il vous plaît. Aïcha. 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 Au revoir. Les gens, je comprends même pas depuis là. Voilà ça pour oh, ça. Maman. Voilà, ça. Voilà. Oh, et ça. N'aie pas peur, ma fille. Oui, je préfère. S'il te plaît, en plein cul, je n'aime pas qu'on me caresse. Satan, sors de ce corps. Satan, sors de ce corps. La puissance du Seigneur a encore frappé. Amen. Amen. Mais sinon, tu as les accessoires. C'est le Seigneur, ce sont les merveilles du Seigneur, ce sont les créatures du Seigneur. Appelle ça. Il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour. Dans mon sommeil, hier soir, le Seigneur Jésus-Christ est entré. Il m'a dit, en ce jour-là, aujourd'hui, un dimanche, il y aura une qui a des problèmes de faire des affaires. Oh Seigneur, que si elle est la terre se manifeste. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est trop fort. Calme-toi, mon enfant. Mon enfant, quel est ton problème? Je suis stérile. Tu es quoi? Je suis stérile. Comment tu sais que tu es stérile? Ça fait combien d'années que tu es mariée? 4 ans. 4 ans? 4 ans depuis combien de son enfant? Tu dors avec qui dans la nuit? Mon mari. Il fait? Est-ce qu'il fait chaque jour? Tous les jours, toutes les nuits. Combien de fois par jour? Deux. Seulement deux fois? Mais on doit faire plus. Hey, hey. Maman. Hey. Alléluia! Amen. L'esprit de la fécondité entre dans ce corps! Amen. L'esprit de la fécondité! Amen. Jésus-Christ. Amen. Je te délivre, ma fille. C'est moi-même qui vais te délivrer tout à l'heure. Amen. 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 Amen.
le truc. J'ai fait partie tous les fidèles pour te faire une délivrance privée où seul le Seigneur Jésus-Christ est témoin. Et puis il n'y a personne là. C'est pas grave, c'est toi et moi, c'est entre nous deux. Comment c'est déjà pas peu couché. Vas-y, suis les directives. C'est pour mes enfants, c'est moi seulement. Tu es prête à tout ou pas pour avoir les enfants? Si tu ne veux pas, tu pars, hein. Je me rhabille, tu pars. C'est bon, viens, ah. Voilà. C'est quelque chose ça, monsieur. Mais c'est toujours... Attends, c'est les enfants. Attends, oh. Seigneur, aujourd'hui là, je vais mettre que ça dedans. Tu mets quoi dedans? Mes chers frères et sœurs en Christ, vous avez pu bien le constater, je suis fatigué parce que cette délivrance était rude. J'ai combattu avec le diable. Amen. Votre sœur, Stéphie, à partir de maintenant jusqu'à désormais, aura beaucoup d'enfants. Amen. 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 Elle est délivrée, c'est comment? Pasteur, il se passe quoi? Elle est délivrée. Pasteur, il se passe quoi? Mais c'est la délivrance. Le j'ai bien aimé moi, ma lame. Je dois toujours avoir ce collier dans toujours, ma poche. Toujours. Et si je n'ai pas ce collier, qu'est-ce qui va se passer, ma lame? Il va se passer soit une mort, soit un mauvais esprit va venir sur tout le monde. Et ça sera vraiment très grave. Le jasmin, c'est délivrant ça. On dirait qu'elle ne reste plus pas. Hé, ma copine. C'est la délivrance. Ma copine, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Ma copine. C'est l'esprit de la fécondité qui entre dans son corps. C'est ça, mais ma copine n'a pas dû convenir avec toi. C'est quoi? Mon Jésus. Mon Jésus. C'est quoi la fête d'église ça? Église où les gens tombent par terre. Tu es sûr que tu as délivré ça? C'est bizarre. Elle est morte. Quelle? Elle est morte. Un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, il se lèvera.